limite d'unité atteinte. Déjà. Le plan de la princesse repose sur la capture du centre de contrôle. Déjà. Chorale terminée. C'est pas vraiment prévu cette histoire d'unité atteinte. Limite d'unité atteinte. Là je réfléchis où je peux faire de la place dans la pop. Cette ligne là, je peux dire. Ah bah je suis bête. Non, dans mes ingés, j'en ai une tonne. Je suis bête, j'ai tellement d'ingénieurs que j'ai pas pensé à virer des ingés. Mais là, je peux raser quasiment tous mes ingés. Ah, j'ai oublié de préciser, il vous faudra ici un omni-radar. Sera très utile. Donc là où mon escadre est presque en position. Alors les destroyers, le but c'est qu'ils absorbent les tirs pour laisser mes cuirassés faire leur boulot. Et s'occuper de tout ce qui est sous-marin. Mon artillerie, si je peux en créer en deux groupes, c'est parfait. Voilà, lui il a fait son boulot. Limite d'unité atteinte. Je pense que je suis une limite d'unité de 300 en pop, ça m'étonnerait 500. Ok, ça va vite. Donc, lui il va remonter là-haut dans mon armée. Là, mes ogives vont être très utiles. Voilà pourquoi j'ai amené qu'au plus tard à faute là-haut. C'est pour éviter qu'il se fasse canarder. Championne, le commandeur Cibran assemble une importante armée au nord du centre de contrôle. Établissez un périmètre défensif autour du soleil noir et repoussez l'assaut. Voilà. Ensuite, éliminez le commandeur en personne. Chorale terminée. Vous disposez désormais des armes expérimentales. Utilisez-les à bon escient. Chorale terminée. Modèle d'unité transmis. Ici le Major Aiko pour toutes les forces FTU dans le secteur. Un commandeur Ion avance sur le soleil noir. J'ai besoin de toute l'aide disponible. Aiko, ah, le portail quantique sera très utile par contre là. Princesse, le croisé Arnold et l'avatar Markson avancent sur le soleil noir. Devrions-nous détourner la championne? Non, l'armée Cibran est la menace la plus importante. Tant que nous tenons le centre de contrôle, le soleil noir est inutilisable. Restez avec les Cibran, champion. Il est temps de mettre fin à cette guerre. L'attaque a commencé. Chorale terminée. Il me faut rapidement ma flotte en position. Commandeur Ion avance toujours. Je ne peux pas l'arrêter. C'est comme s'il savait tout ce que j'allais faire. Au milieu, il y a quatre. J'ai besoin d'assistance. Alors, c'est pour ça que je vais envoyer. Mais au milieu, il y a quatre. À l'aide ! J'ai perdu la plupart de mes forces. Le soleil noir est vulnérable. Prototype. Ouh, mes nukes sont... Ah, mes nukes sont tombés trop loin quand même. Mais ils vont quand même faire du dégât. On sait peu ce qui se passe, il y a eu beaucoup de dégâts, c'est sûr. Je ne peux pas. Non. N'inquiétez rien, sur map, vous risquez rien. Le commandeur FTU a été vaincu. Arnold et Markson ont capturé le soleil noir. Chorale terminée. Alors, il nous faut des commandeurs de soutien, ça sera très utile. Alors ici, on va commencer par faire des forteresses volantes.
quelques scouts. Bombardier stratégique aurait pu être très utile aussi en... Là, normalement, il devrait bien tomber. Ah, pas mal du tout, même. Pas mal du tout. Mais ils sont encore debout. Vous ne ferez plus jamais de mal aussi grand. Ils sont encore debout. À mon avis, là, je vais... trop derrière. Après, s'ils perdent leur temps sur les défenses secondaires, ça peut le faire. Mais là, je vais vraiment avoir de la chance. Ouais, je vais avoir de la chance, mais j'aurais dû la perdre. Alors. Donc maintenant on va raser ça. Ça fera tout drôle. Ici alors, on va l'améliorer avec module d'ingénierie plus rapide. Et maintenant, quand vous commencez à construire de ça, vous en gardez certains en retrait pour construire vos unités aériennes. Ils sont construits plus qui sont construits 25% plus rapidement que dans vos usines standards. Et le reste, vous envoyez au front. Tout simplement. Plus jamais de mal aussi bon. Je vais détruire le gardien. Il y a un deuxième gardien ici. Un troisième ici. Bon, c'est pas grave, on va essayer de les raser assez rapidement. Ici, on va construire le plus rapidement possible. Tous les symbions seront bientôt libres. Vous devez rapidement vaincre les six branches, championne. Chorale terminée. Ah, donc, vu que mon IBC de soutien construit quasiment aussi vite que mon commandant, je vais en abuser un petit peu. À ce moment-là, je vais faire plus que des commandants de soutien en fait, au lieu de faire des ingénieurs, même ça prend plus de temps. C'est beaucoup plus rentable. Rendement d'ingénierie. J'arrive pas à détruire le gardien quand même. J'ai envoyé une partie de mes navires s'en occuper, j'ai l'impression. Vous êtes la championne de la princesse. De simples cibrans ne peuvent vous vaincre. Chorale terminée. Ah, c'est Minouk qui me coûte autant. C'est des nukes. Ici, Kozga.
Et vous présenter un petit peu le prototype. Donc le Tsar, juste extraordinaire, hein, comme unité, y a rien à dire dessus. Donc on va replier, là on va en envoyer un faire mon boulot que je veux qu'il me fasse, c'est-à-dire ça et ça. Alors les cuirassés, prototypes des Aeon peuvent construire et destroyer des croiseurs, mais il ne faut pas construire d'autres cuirassés ou des unités de Tech 3. Mais bon, vous pouvez déjà construire l'essentiel avec, en plus de posséder une puissance de feu largement équivalent au cuirassé standard. En plus, il peut être allé sous l'eau, donc c'est un très bon atout. Par contre, le seul souci du Tsar, c'est qu'il est très 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 fragile. Voilà. Donc là, je vais les envoyer. Ici, il me faut 5 Tsars en plus. C'est pour ça qu'habituellement, quand on fait un Tsar, on complète le dispositif avec des chasseurs de supériorité aérienne, parce que c'est une des unités les plus résistantes que vous pouvez produire dans l'aviation, même la plus résistante de mémoire, autre prototype, et elle est assez rapide, donc elle va normalement absorber les tirs de missiles à votre place. Enfin, vous allez essayer de faire en sorte qu'ils absorbent vos tirs de missiles plutôt. Ici, on peut les mettre en plongée. Et comme ça, vous pouvez parfois passer une défense ennemie. Vous mettre derrière, tirer avec. Ou même vous sortez derrière, vous construisez quelques navires, puis après vous repartez, ni vu ni connu. Et du coup. Ah si, il reste ça. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'une gale et Cibron ils font vraiment rien. Vous voyez, je suis en difficile. Hop, on va s'ouvrir. Et voilà. Ni vu ni connu. Et après, on va construire quelques causes galactiques. Sauf que j'ai envoyé les deux à ce continent pour le faire. Voilà, comme ça, on a déjà notre Tsar. Et ces deux-là vont me construire quelques robots galactiques. Enfin, cos. Voilà. 8. Vous devez rapidement vaincre les Cibrans, championne. Chorale terminée. Et eux vont me construire 2. 20. C'est pas beaucoup de chasseurs, 20, je trouve. C'est pas beaucoup. Ouais, on va tout monter à 40 en chasseurs. Donc voilà. Donc maintenant, cette escadre est bonne. Maintenant, avec ça en plus.
Qu'est-ce qu'elle me fait à flotte? Allez. Vous êtes la championne de la princesse. De simples cibrans ne peuvent vous vaincre. Coral terminé. J'aimerais bien que ma flotte aille en position là. Les nukes, on va arrêter d'en produire en série. Et là, on va atomiser les cibrans. Donc, 1, 2, 3, 4. Normalement, je devrais atomiser quasiment toute la base de cibrans avec ces nukes. Bon, à savoir que l'explosion des... grandeur de soutien est bien inférieure à l'explosion que peut faire un UCB, c'est ça. Donc faites attention, donc ne croyez pas pouvoir faire une stratégie par rapport à ça. Hein. J'ai essayé un coup, ça n'a pas marché. Et voilà. L'avancée des cibrans a été repoussée. Avancez sur sa base et éliminez le commandeur cibran immédiatement. Coral terminé. Non, je ne serai pas vaincu. Oh, c'était pas dur. Pour le vaincre. Le commandeur Cibran a été éliminé. Il ne représente plus une menace. Zone d'opération élargie. Vous avez réussi. Le commandeur FTU est mort. Le soleil noir est à moi, princesse. Quels sont vos ordres? Tu oses me trahir? Je ne vous ai jamais servi, Markson. La princesse est la seule qui m'ait libéré et exposé les mensonges de la FTU. Elle m'a toujours commandé. Je contrôle toujours les codes d'autodestruction pour mes subordonnés, Arnold. Adieu. Non! Tu m'avais montré la lumière, princesse. Je vous en suis reconnaissant. Voilà. Championne, détruisez Markson! Allez. Là, on envoie. J'aurais dû les envoyer avant, j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, c'est... Là par contre, vous allez vous taper deux choses, une immense flotte. Enfin, immense. Qui peut largement vous raser vu le nombre de navires qu'ils ont. Voilà ce qui se passe quand vous êtes plein de tsars. Par contre, c'est marrant. Même si généralement vous en perdez plein à cause des dégâts de zone, etc. Le crash des tsars font largement autant de dégâts que son laser en soi. Penser l'escadre marine, on va s'occuper à cette manière. Ah si, ils ont quand même des tempêtes dedans. Par contre, évitez de packer vos unités comme c'est passé. Le problème des tsars, c'est que généralement, quand vous faites des groupes, ils se packent. Ils se forment un seul groupe, ce qui est un peu dommage. Donc, essayez de les séparer un peu, ça évite d'avoir des dommages de zone en fait.
Une fois qu'on aura rasé voilà. Et c'est fini. C'est presque fini. Je vous rejoindrai bientôt sur Terre, ma championne. Et enfin, la guerre infinie touchera à sa fin. L'humanité se tourne vers des symboles pour définir ses actions et ses croyances. Mais trop souvent, le symbole corrompt la vérité. Dans ce cas, le symbole doit être anéanti pour que les croyances évoluent, pour que les gens se libèrent. Pour que les guerres aient une fin. Il faut en finir une fois pour toutes. La paix régnera. Vous et vos enfants êtes libres. Nous ne vous pourchasserons plus. L'énergie du soleil noir m'a uni au royaume quantique. Pour la première fois, mes visions sont parfaitement claires. Je vois tout ce qui est, rien n'échappe à ma vue. La voix et moi, nous ne faisons qu'un. L'humanité a été sauvée de justesse. Dans le futur, il n'y aura ni guerre, ni conflit, ni tyrannie. À présent, mon destin m'appelle ailleurs. Il faut que j'explore ce que je suis devenue. Toi, tu es ma championne. Tu devras prendre soin de ceux que je laisse derrière moi. Et c'est ainsi que nous terminons Supreme Commander. Mon général Samantha Clark, Princesse Ryan Burke, en copie à moi. Je ne sais pas si ceci vous parviendra, Princesse, mais je l'espère. Je ne sais pas vraiment quoi dire. C'est étrange d'être finalement en paix. Mon esprit est encore préoccupé de notre stratégie. J'attends l'arrivée des rapports concernant de nouvelles attaques. Tout ce que je peux dire, c'est que j'aurais aimé le savoir plus tôt. J'ai parlé au docteur Brackman, il est aussi surpris que moi. Nous allons bientôt reconnaître officiellement la science Cybran, ça ne devrait pas prendre longtemps. J'espère pouvoir vous parler un jour, je crois que vous aimeriez la paix. Attendez. C'est quoi ça? Attendez, ils ont rajouté ça dernièrement. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que tu fais? Ils sont en route. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as fait? Fonction primaire terminée. Et voilà, c'est là-dessus qu'on termine, ce jeu. Alors, le teaser, je vous ai glissé, je vous ai montré de toutes les factions pour que vous compreniez globalement qu'est-ce qui se passe. Mais ça sera pour le Forget Alliance si vous voulez savoir la suite. Donc, je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien, et à ciao tout le monde!